littéralement deux gouttes de Dot 4 dans l'embrayage. Et bah, ça remarche. C'est juste le maître cylindre qui avait avalé de l'air ce matin. La contenance du réservoir, elle est minuscule. Et donc, trois gouttes suffisent pour avaler de l'air ou pour plus avaler d'air. Et là, on repart. Il est 11h30. La matinée commence bien. On a fait 6 km de route. On est un peu perdu sur des faux chemins. Tous ces chemins là ils n'existent pas en fait. On est dans la pampa et on va essayer de rejoindre ce tréplein là qui est une piste. L'expérience c'est de savoir faire demi-tour. Voilà Xavier. Comme disait Xavier. Et au moins c'est beau. La moyenne est en train d'en prendre un coup. Yes, j'ai l'impression qu'on est revenu tout à l'heure, on est passé en bas. Et on était en bas, ouais. Nous sommes complètement perdus. La petite trace de tout à l'heure, on est parti dans un champ, dans une parcelle, et il n'y avait même plus de trace au sol. Et on galérait, et on voyait que le chemin était pas loin sur nos cartes, mais ça montait un peu arbre dans le champ, enfin pas pour nous quoi. En fait on était dans les chemins sur la carte, sauf que les chemins ils n'existaient pas, ou alors ils ont existé il y a longtemps. Ou alors c'est un mec qui s'est amusé à tracer ça à partir des photos satellites, mais... plus des passages d'animaux que des chemins, et quand la végétation est fermée tu vois plus rien. C'est ça. Maman, elle a dit, elle aime bien quand il y a des images de vie. Voilà. Donc on mange quoi ? De la bonite. C'est un poisson non identifié. Elle nous a dit de la bonite, si j'ai bien compris. Ça change des frites et de la viande. Ouais. Bon, on a quand même confirmation que dans quelques kilomètres, on devrait se trouver un petit café. Café glace. Parce qu'il fait chaud. Quand le pont est cassé, on devait faire encore 100 km de piste. 100. Mais comme on est crevé, 30. Voilà, 35 et on arrête. Voilà. Il y en a marre. Qu'est-ce qui a cassé cette fois ? Hein ? Pas rien. Une petite dessert apparemment. Après. Outil KTM pas bon. Le KTM fragile. L'art de choisir les emplacements pour faire de la mécanique. En même temps, il y a une jolie rivière là-bas. Oui. C'est bien parce qu'on est dans un cul-de-sac. Hein. Puis, normalement, on n'aurait pas dû arriver là. Et il manquait un chemin à gauche qu'on n'a jamais trouvé. Voilà. Non, il savait où on allait, il a triché. Il a mis le point que je lui ai envoyé. Et voilà l'hôtel de ce soir qui porte pas le même. Le dîner de mardi soir.
mardi soir.